Bonjour, bienvenue sur Agus.fr. On découvre aujourd'hui l'Opel Crossland X, un véhicule inédit dans la gamme Opel. C'est le petit frère du SUV Mokka X et il tentera à sa manière de remplacer aussi le monospace Meriva. Son credo à lui, c'est de proposer le meilleur entre SUV et monospace. Monospace pour les côtés confort, habitabilité familiale, on le verra après. Et puis SUV pour le côté dynamique, valorisant, parce que pour Opel, ça sera un véhicule de conquête. Le Crossland X joue les baroudeurs urbains avec les boucliers renforcés, les arches de roue rapportées, les bas de caisse proéminents. Donc ça, c'est typiquement le code des SUV. L'autre particularité du Crossland X, c'est son pavillon de couleur distincte de la carrosserie. Ça apporte du dynamisme, c'est aussi un souci de personnalisation. Ça permet de faire de la conquête et d'avoir un véhicule à son image. L'Opel Crossland X a une longueur de 4,21 m. C'est plus petit que le Meriva, mais c'est un peu plus grand que le Peugeot 2008 et le Renault Captur. Sur le haillon, l'Opel Crossland X a de belles moustaches, comme Grumpy Cat, sa mascotte, mais nous, ce qui nous intéresse plutôt, c'est son coffre. La contenance varie de 410 à 1255 litres et il y a un double fond. Maintenant, allons voir ce qui se passe à bord et ce qu'il a gardé du monospace. À bord, la position de conduite est toujours haute, comme dans un monospace. Et puis maintenant, on a une planche de bord traitée à l'horizontale, avec de nombreuses aides à la conduite, un écran tactile, quelque chose d'assez sportif aussi dans le dessin des compteurs. Donc c'est un peu le meilleur des deux. À l'arrière, on a de la place. Le dossier est inclinable. La banquette est coulissante. On retrouve tous les atouts du monospace.